Ciencias naturales, guiatres. Alors, ça, c'est sciences naturelles, qui c'est guia 3 pour segundo nivel. Segundo nivel. Professeur qui enseignait à Matiesa, c'est trois professeurs. Nous avons Cathy Diaz, Claudia Lagos, et puis nous avons Catherine Guajaldo. Gardez qui est-ce qui est professeur Paola et puis vous voyez le professeur qui est Paola. Vous voyez sur un seul email. Ou bientôt, vous pouvez voir le sous classroom by professeur. Et bien, vous pouvez mettre nom, classe là, et puis date. Ça, c'est un guide qui chita sous preuve qui soutenu la théorie de l'évolution. Théorie de l'évolution, il y a de bonnes idées sur ça. Pour être capable d'arriver, résoudre Guia ça, pour nous faire ça, professeur, même Wandéon, il faut que nous soyons capables de reconnaître les concepts de homologia et analogia. Pour nous capables de différencier les concepts d'évolution divergente et convergente. C'est très important. C'est homologia, analogia, évolution divergente et convergente. Nous conseillons les textes à bien. Les textes là, bien comprendre. Et nous conseillons tracer quelques mots qui sont très importants. Par exemple, organe analogue. Los organos analogos. Et puis, nous pouvons joindre tout, par exemple, évolution convergente. Nous pouvons joindre organes homologues, évolution divergente. Nous pouvons joindre organes vestigiales. Et tout ça, nous avons tracé ça parce que nous pouvons utiliser, nous avons besoin. Pour bien comprendre le texte, pour nous capables et résoudre qui a ça, qui c'est qui a trois, qui c'est évaluation premier trimestre. OK, donc pour aller dans activité numéro 1. Activité numéro 1, hein, il dit que c'est une sélection multiple. On lit attentivement pour chaque question. Et nous avons choisi une seule alternative qui est correcte. Si nous prenons un exemple pour question 1, je dis que les ailes oiseaux et les ailes papillons, c'est exemple d'organes, selon le texte là, sinon ça noté lit qui est exemple. Vous voyez qui organe, est-ce que c'est vestigial, est-ce que c'est homologue, est-ce que c'est analogue, est-ce que c'est astrophiados, est-ce que c'est divergente? C'est le texte que nous avons lu en l'air, nous avons trouvé la réponse là. Question D. Vous dites que le bras d'un chimpanzé, c'est un type de macaque. Je dis que bois chimpanzé, et puis nageoire delphin, delphin c'est un type de poisson, et puis je dis que les ailes mousselagua, c'est bête ça, qui c'est, ça sont bêtes, chauve-souris, je dis que c'est exemple d'organes, quel type d'organes, est-ce que c'est vestigial? Est-ce que c'est homologue? Là, on a choisi ça qui est bon. Mais pour répondre à la question, ça, il faut que vous ayez le texte qui est en l'air. Vous ayez le texte qui est en l'air et puis on va essayer de répondre à la question qui est en l'air. La question 3 hein, dit que c'est vraiment organos vestigiales à structure ça. Ouais, qui ça qui. Si c'était deux qui sont bons. Par exemple, si D a bon, si 3 a bon, ouais, on va choisir C, mais si c'est un seul qui est bon, on va choisir A. Par exemple, si c'est un seul qui est bon, on va
Ça veut dire choix, c'est par les offres, mais vous avez choisi dans A, B, C, D et A. Si vous n'avez pas de bonne réponse qui est bonne, vous avez choisi A qui est Ninguna de las anteriores. Yeah? Et tout ça, c'est même question, choix multiple. Choix multiple à partir des textes qui sont là. Ça, c'est une étude du texte. Nous ne pouvons pas répondre sans que nous pas lire le texte là correctement. Hmm? Ya, nan descend nan question 5, ya, yo ba nou yon définition, ya, yon définition, yo di ke el pez espada y el pingüino son animales de vida acuática. Acuática, se tankozan ki viv an ba dlo, ki konverjen a se una forma corporal hidrodinámica. Définition sa, bien, c'est un organe homologue, c'est un organe vestigial, c'est une divergence évolutive. Et bien, on va choisir ça qui moi. Et bien, la question 6, là, il dit que structure analogue, là, c'est à qui on va définition. Vous qui ça qui a une structure analogue, d'après texte ou de lit en l'air. La question 7, là, c'est même bagaille, on va choisir. Et l'aide qui correspond. Qu'est-ce qui signifie le concepto organo homologos? Qui ça signifie organo homologos? Ok, activité 2. Là, il y a deux animaux. Il y a deux animaux. Je dis que, et pour nous capables d'observer, c'est un genre similaire, par exemple, tiboulon, qui sont un poisson. Ici, un poisson cartilagineuse. Et la orca, qui est un mammifère, il dit qu'à partir de familles évolutives qui sont différentes, pour qui ça n'a joué considéré comme organe qui est analogue. Organe considéré comme analogue. Eh bien, pour qui ça? Yeah? À tout yo même, yo appartient avec une famille qui est différente, qui a une évolution qui est différente, mais yo dit que organe analogue. Eh bien, pour qui raison? Ça, ces questions, nous pouvons répondre sur une feuille qui est attachée avec Guilla pour nous capables de remettre. Question B à tout, il dit que pourquoi zèle papillon yo et zèle sorsalio. Sorsalio, c'est yon ti bet ki le muguet, son bet ki le muguet, il considéré comme organe analogue. Le papillon avec muguet, yo considéré comme organe qui analogue. Pour quelle raison? Il dit que quel type de évolution qui va évidence que organe ça yo possédé organe analogue. De ça on a parlé en l'air, quel type d'évolution et mais qui va preuve que organe ça yo organisme ça yo possédé un organe qui analogue ou bien des organes qui analogue. Je dis que pour capable bailler deux exemples des organismes qui présentaient structure analogue. On bailler deux exemples des organismes ou qu'on qui présentaient une structure analogue. On bailler deux exemples tout des organismes qui présentaient une structure homologue. Ça vous capable joindre dans le texte en l'air pour plus compréhension tout ou capable aller à l'investigation et puis ou capable joindre réponse. Mais partie DA, activité DA, c'est sous une feuille ou fait et puis ou attaché avec guia ça. Yo ba nou yon l'autre activité qui c'est activité 3. Qui c'est un projet de compréhension de lecture des articles suivants. Ok, là, il y a parlé de los gorilas, son más parecidos al hombre de lo que creíamos. Il y a dit que gorilla,
li vraiment semblé avec l'homme. De ça, nous pas quoi. Gorilla, il semblait avec l'homme. Gorilla, c'est un type d'animal, il a un caractère avec Marc Acto, il semblait avec l'homme. Il est gros, mais c'est un animal, il fait action tant que l'homme, etc. Il a voulu sembler avec un chimpanzé. Il dit que pour nous lire ça, nous avons sans nous, pour nous capables de lire bien, après le texte, tout ça nous est important, nous avons tracé. Et puis après, nous allons répondre trois questions qui en bas là. Nous allons répondre trois questions. OK? Première question, la première question est à qui se réfère l'auteur contre le code de barre là? Lorsque l'auteur a parlé des codes de barre, de qui ça lui voulait parler? Code de barre là, c'est lorsque nous achetons un produit dans le marché, nous voyons que les gens ont un petit numéro en bas, ou capable flasher et puis prix produit à lui-même les monter. C'est ça qui est le code de barre là. Eh bien, dans le texte là, au théâtre, il a dit que gorille là, il a le même code de barre là avec l'homme, parce que il y a de très bonnes ressemblances. OK, question 2. Que signifie le hecho de que pertenece comportamos el 15% de nuestro genoma con los gorilas? Et donc, qui ça signifie que nous-mêmes nous partageons 15% de génome avec gorilles? C'est l'auteur là, a dit l'homme partager 15% des génomes. Ça veut dire nous presque même on peut dire que type de ADN, a dit ADN nous pas gain trop pas gain trop différence ADN l'homme avec gorille. Eh bien, qui ça signifie selon vous? Mais pour capable répondre à question ça, faut aller dans texte, faut aller texte pour capable lire, pour capable comprendre, pour répondre à question. Hein? Yo dije, el 15% del genoma humano está más cerca del gorila que el chimpancé. Ça veut dire, la partie de ça, nous avons vu que, yo dije que, ça veut dire, gorila es là, l'état le plus semblé avec l'homme que chimpancé. Yeah. OK. Et dans la question 3, yo m'a dit que, que espèces souffrent de divergences génétiques? Qui espèce qui te souffre en divergence génétique? C'est dans le texte. Qui est espèce qui te souffre en divergence génétique? Et il faut que nous fassions la différence entre convergence et divergence. Ça veut dire divergence, c'est nous prenons ils ont une direction différente, mais en divergence. Convergence, c'est lorsque nous venons ensemble, nous regroupons, nous chattons, nous sortons dans une zone. Nous regroupons ensemble, nous venons dans un point capital. Mais divergence, c'est lorsque nous divergeons dans plusieurs points, nous faisons en plusieurs zones différentes. Et donc, tu as une espèce qui te souffre la divergence génétique. Ou un petit qui, type d'espèce l'idée. Bon succès. Ciao.